Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien depuis avant-hier. Et ouais, deux vidéos en deux jours, vous vous demandez ce qui se passe. Bah, c'est que tout simplement, je vous avais dit que j'avais pas mal de choses à tester pour le double 11, pour les promos du 10 au 12 novembre. J'ai pas mal de petites choses à tester, spécial confinement encore une fois. Donc aujourd'hui, on va encore voir un petit engin bien sympa. Vous allez voir, c'est un ancien truc avec une amélioration et pas des moindres, parce que pour moi, il y avait vraiment besoin d'une amélioration. Donc juste avant de vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, de ça, de la grosse boîte qui est là, juste une petite chose, cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un des trois lots que j'avais mis en jeu. Je garde un lot pour le dernier tirage, on sait jamais. Mais un des trois lots que j'avais mis en jeu pour le concours permanent, à savoir le Tiro 79S RTF, la petite caméra Akaso 4K Ultra HD et le petit Bugs 7. Donc dans cette vidéo, pas grand chose à faire à part me mettre en commentaire ce que vous voulez, mais dans le commentaire, je voudrais savoir simplement quel lot vous voudriez. Soit le Tiro 79S, soit la caméra Akaso, soit le Bugs 7, tout simplement. Mettez-le moi en commentaire. Je ferai un tirage au sort directement dans les coms et un cadeau sera remporté, tout simplement, puisque je n'ai pas de nouvelles des deux gagnants du concours permanent. Bien sûr, le concours permanent continue, bien évidemment. Et je rajouterai bientôt un lot. Donc avant d'attaquer le petit engin, je vous confirme donc que le live, sauf gros problème, aura bien lieu le 10 novembre à 18h. Je vous mettrai dans la description, avec les liens et les coupons promo, bien sûr, du tableau. Je vous mettrai non seulement la page des lives, comme ça vous verrez tous les lives qu'il va y avoir et à quelle heure. Et vous verrez ma tronche, certainement. Mais je vous précise aussi que dans le tableau de coupons et promos, j'ai déjà mis en vert, en sur fond vert, toutes les promos et coupons qu'il y aura pour le 10 au 12 novembre. Donc commencez pas à me dire ouais le coupon il marche pas, ça marchera du 10 au 12 donc ça marche pas maintenant, mais vous pouvez d'ores et déjà voir les promos qu'il y aura, les coupons. Quelquefois c'est des coupons, quelquefois c'est des ventes flash ou des promos, c'est indiqué dans le tableau si vous prenez le temps de le comprendre. Bref, tout ça ce sera dans la description de la vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Que c'est? C'est le nouveau pack de chez eShine, le Novice 2 V2 RTF. Donc, radiocommande, drone, batterie, chargeur, lunettes. Tout ça, tout en un, dans une petite mallette bien sympa. Et vous allez voir que l'amélioration est plutôt notable. Pourquoi? Parce que j'ouvre tout de suite la petite mallette. Vous voulez la voir vite fait? Regardez, c'est une belle petite mallette. Franchement, ils se sont pas foutus de nous. Hein, c'est pas un vieux truc en carton. Donc, belle petite mallette eShine pour pouvoir tout transporter. Vous avez les fixations et vous avez la bandoulière à l'intérieur pour la mettre à l'épaule. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui clochait dans ce pack Novice 2 que moi, je n'avais pas testé? J'avais testé le Novice 1, qui était correct, on va dire, parce que ça reste un tout petit engin d'intérieur. Mais le Novice 2 et le Novice 3, il y a des choses que je n'aimais pas et je les avais pas testées pour cette raison là, c'était la radiocommande. Dans le pack Novice 2, elle était toute petite comme le Novice 1 et très très peu réactive et surtout pas polyvalente. Ça veut dire qu'une fois qu'on a acheté cette radiocommande, bah, elle servira pas pour grand chose d'autre que ce petit engin. Donc c'est pas les packs que je préfère. Les packs que je préfère, les voilà. Ça, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça. Et le pack Novice 3, bah, c'est pareil, la radio, je l'aime pas. Moi, je l'avais testé et c'est vrai qu'au niveau réactivité, c'est pas top. Et au niveau précision, bah, c'est vrai qu'on a vu mieux. Donc, dans ce pack Novice 2 V2, voilà ce qu'ils nous ont mis. Tout simplement, la bonne vieille FS-I6. Voilà, vous allez me dire, c'est pas le top des radios. Si. C'est le top des radios pour un débutant qui ne veut pas investir énormément. Rappelez-vous le pack RTF avec le X220S par exemple, ça a été un des grands tops. Pourquoi? Parce que bah, cette radio, donc, elle n'est pas chère. Donc c'est la FS-I6. J'aurais préféré la FS-I6X directement, où il y a les 10 canaux de débloqués. Donc sur celle-ci, vous n'allez avoir que 6 canaux de débloqués. Donc vous avez bien sûr les 4 canaux. Puisque là, elle est en mode 2, bien sûr. Les 4 canaux, plus 2 switches qui vont fonctionner et que vous verrez sur Betaflight, que vous allez pouvoir paramétrer selon vos goûts. Et 2 switches, enfin un switch qui ne fonctionnera pas.
un switch de position, là c'est le B en l'occurrence, et un switch ici qui sert, qui est programmé en throttle hold. Ça on va le virer tout de suite ensemble, parce que la seule chose que ça faisait, c'est que quand vous activiez ça, le drone y part tout seul. Donc je sais pas pourquoi ils ont activé ça, on va très vite le désactiver. Mais bref, cette FSI6 qui fonctionne avec 4 piles LR06, c'est vraiment le top pour débuter, parce qu'on a les vraies sensations d'une radiocommande avec de vrais sticks et une vraie taille en main. Et surtout, on va pouvoir lui paramétrer et lui incorporer d'autres engins par la suite, bien sûr en FlySky, que ce soit AFHDS ou AFHDS2A, bref, du FlySky. Là, c'est un récepteur FlySky SPI, donc qui est dans la carte de vol. Mais on va pouvoir lui programmer et lui rentrer d'autres drones, et on va pouvoir piloter d'autres drones avec ça. Les inconvénients de cet FSI6, sans modification, on n'a pas une portée extraordinaire. Déjà que FlySky, c'est pas la meilleure portée au niveau du protocole. Mais moi, rappelez-vous, sur la première FlySky, j'avais ouvert et j'avais ajouté, puisque c'est une antenne qui est clipsée en IPEX, donc j'avais rajouté une antenne en faisant un petit trou à la place de ça, et j'avais mis une antenne normale, un peu plus longue. Ce qui fait qu'on avait une portée après tout à fait correcte. Donc là, ne vous attendez pas à faire du long range avec ça, de toute façon c'est interdit, mais vous attendez pas à faire 400, 500, 600, 700 mètres sans avoir de failsafe. Donc c'est plus pour des engins de proximité, encore une fois, pour les débutants, jusqu'à 200, 300 mètres, ça va, hein, y a aucun souci. Encore une fois, ça dépend du récepteur que vous utilisez, bien sûr. Donc, ouais, bonne radio, on va voir ensemble comment la configurer. On ira faire un petit tour sur Betaflight pour vous montrer qu'avec deux switches, on arrive à faire pas mal de choses. Moi, j'ai le buzzer, j'ai le turtle mode, juste avec deux switches. Donc, vous allez voir qu'on peut quand même se débrouiller avec un petit peu d'astuce. D'espièglerie, c'est là. Non, c'est pas ça. Avec, on aura bien sûr un petit masque, donc le VR009, le même qui était avec le Novice 2 de base. Donc un petit masque avec deux antennes, avec pas mal de petites options, une recherche automatique, un menu, un bouton pour les bandes, un bouton pour les canaux, une recharge directement en USB puisque c'est une batterie 3,7V à l'intérieur. On a également une petite sortie AV ici, pour balancer sur un autre moniteur, et c'est tout ce qu'on aura, une sangle réglable bien sûr. Et puis bah, au niveau confort, bon, moi je vais pas trop voler avec celui-là. Si, on va faire le test en indoor avec ce masque, parce que on voit bien, c'est sûr que l'écran est plutôt correct. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas de réglage, moi comme j'ai des problèmes de vue, je suis pas super à l'aise au niveau de ma myopie, j'ai un petit flou. Mais sinon pour débuter, c'est vraiment top, c'est mieux que le VR007 par exemple. Le petit drone, le voici, donc il n'y a pas grand chose qui change, il n'y a même rien qui change par rapport au Novice 2. On a juste la caméra Cadix qui est non plus une EOS 2 mais une EOS 2 V2. Donc un petit peu mieux quand même. Toujours orientable bien sûr. On a une carte de vol AIO ici avec des ESC de 5A qui peuvent monter à 6A. Il va accepter le 1S et le 2S. Dessus on a un petit VTX 40 canaux qui fait 25 ou 200 mW. Donc ça va, on a le choix, on va pouvoir voler quand même sur 100 mètres autour de nous sans aucun problème. C'est une petite antenne IPEX, donc libre à vous de mettre un petit peu de colle jaune si vous voulez assurer le truc. Le VTX, on a un bouton sur le côté droit ici avec des petits LED qui permet de régler les bandes, les canaux, la puissance, mais il est aussi configuré pour être réglé via l'OSD parce qu'il est en smart audio tout simplement. Ça on le verra tout à l'heure vite fait sur Betaflight. On voit qu'il a toujours le petit buzzer collé sous la top plate et les deux rangées de LED qu'on va pouvoir modifier si on veut. Moi j'ai mis Larsen Scanner je crois, avec un changement de couleur quand j'arme. De toute façon je vous mettrai à la fin de ma vidéo tout mon Betaflight, ça finit les spoils, je vais pas mettre à chaque fois un spoil de la vidéo qui va venir bientôt. Donc des petits moteurs, toujours 1103 en 8500 kW, donc 1S et 2S, pas 3 ou 4S bien sûr. Deux petits branchements PH2.0, vous voyez moi c'est entortillé ici pour faire court, parce que sinon c'est un peu plus long et quand vous branchez avec les batteries, ça a tendance à flotter un peu, donc n'hésitez pas. Voilà, moi j'entortille encore une fois, et une fois que j'ai mis mes batteries, comme ça le câble est bien tendu. Donc sinon, toujours la même frame, 2 mm d'épaisseur. On sait que c'est assez costaud bah, pour le poids de l'engin, parce que bah, il n'y a pas trop de résistance lors des chocs. Donc voilà, le petit Novice 2 qui fonctionnait déjà très très bien, c'est sûr, mais sur lequel il fallait trouver une autre radiocommande, parce que celle fournie avec, c'était vraiment pas l'idéal. Sinon, en accessoire, vous aurez, alors selon si vous prenez le pack 2 batteries ou le pack 10 batteries,
batteries, vous en aurez 2 ou 10. Les batteries, ils ont changé un petit peu. Avant, on avait des 450 mAh, c'était pas des Gaoneng, hein, mais c'était des 450 mAh qui faisaient environ 13 grammes. Et bien là, on est passé à des 460 mAh en 3,8 V, donc LIHV. Donc on gagne 10 mAh quand même. Et vous allez voir qu'on a quand même une autonomie correcte. J'ai fait un petit vol, je vous le mettrai juste après le petit vol en intérieur. Et vous allez voir que j'ai atteint presque les 5 minutes de vol en volant pas forcément tout cool. Donc ça marche plutôt bien. Et on a un petit chargeur avec, vous voyez, bah, je suis en train de l'utiliser. C'est le même que j'utilise habituellement pour mes petites batteries LIHV avec des interrupteurs. Chaque interrupteur ici correspond à soit 4,2 V vers le bas ou 4,35 V vers le haut. Donc moi, pour recharger ces batteries, je mets sur 0,6 et sur 4,35 V bien sûr. Donc très bon petit chargeur, puisque j'ai tendance à le conseiller également pour d'autres petits engins qui ont les mêmes styles de batterie. Dans la petite housse, vous aurez 2 notices différentes, toujours pareil que pour le Novice 2 de base, la petite notice avec l'éclaté de l'engin, avec comment fonctionne la radiocommande et comment fonctionne le masque. Là ça va arriver, ça va être bindé, il n'y aura plus qu'à se brancher sur Betaflight pour assigner les canaux qu'on veut assigner, et on va aussi faire les petits changements que je vous avais dit sur la radio. Et une deuxième petite notice ici pour les paramètres du VTX, les paramètres de Betaflight et de BLI pour ceux qui voudront flasher par la suite. On a même les indications ici pour les LED. Donc voilà, 4 hélices de rechange, les hélices qui sont toujours les HQ propres d'origine qu'on avait sur le Novice 2. On a également un petit jumper ici, un petit cavalier qu'on va s'empresser de sortir parce qu'on va l'utiliser pour le vol en indoor. On a également un petit outil qui permet de vous aider à extraire les hélices, une petite clé BTR, un petit tournevis cruciforme et quelques petites visseries qui peuvent aider si vous avez besoin. Et ce petit cavalier, il sert à quoi? Il sert simplement si vous voulez voler en 1S, puisque c'est un montage en série. Donc si vous voulez voler en 1S, vous avez juste à installer ce petit jumper sur une des 2 sorties, au hasard. Voilà, et vous branchez sur une des 2 entrées, pardon, et vous branchez l'autre batterie, une seule batterie, dans celui qui vous reste. On va le laisser comme ça, puisqu'on va voler en 1S. On aura également le petit câble pour la sortie vidéo, le câble USB qui permet de recharger le masque, et les 2 petites antennes qu'on va également, oh ça fait du bruit ça, qu'on va également installer sur le masque directement, et la petite bandoulière dont je vous parlais pour mettre sur la sacoche. Donc voilà tout ce que vous avez dans ce petit pack. C'est un peu la même chose que ce qu'il y avait auparavant. Voilà, donc pour bien faire, une debout et une couchée, et on va s'intéresser à la radio. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que quand vous allez paramétrer votre drone, vous n'avez pas besoin de mettre les batteries. Avec un cordon USB simplement, vous allez pouvoir alimenter que ce soit la carte de vol, le VTX. Donc vous avez tout qui est alimenté rien qu'avec l'USB. Donc pas besoin forcément d'une batterie. Et donc là, je vous l'ai dit, il sera bindé. Par la suite, si vous voulez le rebinder avec une autre radiocommande par exemple, vous avez le bouton de bind sur la carte de vol. Je vous mettrai une petite photo parce que là, vous verrez pas grand chose. Et sinon, vous pouvez également binder par le CLI. Vous avez la petite ligne de commande qui est indiquée dans la notice, même je vous la marquerai en bas aussi. Donc ce qui est sympa, c'est ça, c'est quand vous aurez besoin de binder, vous lui branchez l'USB simplement en dessous ici. Ah oui, je vous l'ai pas dit, les branchements moteurs, c'est aussi par prise, ici, comme sur les anciens, il n'y a pas de soudure. Donc si vous avez un moteur à changer, c'est ultra simple. Donc sinon, pour le bind, vous branchez votre USB ici directement. Vous appuyez sur votre bouton de bind sur la carte et vous branchez un USB dans une alimentation ou sur votre PC, et vous allez pouvoir le binder directement sans avoir besoin des lipos. Pareil quand vous êtes sur Betaflight, le fait qu'il soit branché sur Beta, vous allez pouvoir régler directement votre SD, puisqu'on va alimenter le VTX, on va alimenter le récepteur, on va tout alimenter directement par l'USB. Ça, c'est bien. Donc sinon, cette radio, qu'est-ce que j'ai fait dessus moi? Pas grand chose, pas énormément de choses. Donc pour rentrer dans le menu, vous le savez, on appuie sur OK. Donc je vais pas refaire l'apologie complète de la FSI6, j'ai déjà fait des vidéos, il y en a plein sur YouTube. Donc si vous voulez la passer en 10 canaux directement, il y a également des tutos sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, faut que j'y pense, du câble. Il faut un câble particulier pour pouvoir la flasher et avoir tous les switches de disponibles, tous les auxiliaires. Donc je vous remettrai si je peux le lien d'une vidéo tuto, mais ça vous allez trouver, hein. Vous tapez FSI6 10 canaux et vous allez trouver pas mal de tutos, c'est assez simple à faire. Je vous mettrai le lien du câble qu'il vous faut, parce qu'il vous faut un câble spécifique. Donc qu'est-ce que j'ai changé sur cette radio? On va aller voir les auxiliaires ici. Alors je rentre dans le menu, OK. Donc modèle select, on n'y touchera pas, puisque là on en a un qui est pré-réglé.
Je descends. Model name ici, je ne l'ai pas changé. C'est toujours FlySky01. C'est celui qui est programmé pour le petit novice. Donc vous pouvez lui changer ici, puis marquer novice. Je ressors. Hop, type select, on va laisser sur avion. Donc modèle copy, modèle reset, ça c'est pour créer d'autres modèles. Eric setup ici, moi j'ai pas changé grand chose. C'était déjà en FHDS2A, PPM, etc. Il n'y a rien à faire à cet endroit-là. De toute façon, dans le premier menu, il n'y a pas grand-chose à faire. Le mode 1, mode 2, LCD brightness, firmware vérification, factory reset, rien à changer. Dans le menu de droite, on peut inverser les canaux, on va régler les endpoints, c'est-à-dire les minimum, maximum sur les canaux. Display, ça c'est pour avoir directement votre petit écran de contrôle. Tac. Auxiliaire channel, donc là, si je rentre sur auxiliaire channel, on voit qu'on a switch A et switch C qui sont en fonction, c'est-à-dire le A qui est ici et le C qui est là. Donc celui-ci pour armer généralement et celui-ci, il sera programmé pour vos modes de vol d'origine. Mais bon, vous allez voir, on va aller faire une petite modif ou deux. Et donc vous n'aurez pas accès aux autres switches sur cette radiocommande puisqu'elle n'a que 6 canaux. Hop, subtrim, ça c'est pour régler le middle quand vous réglez vos canaux. Vous savez que ça tombe bien à 1500, que ça ne bouge pas. Et elle est assez précise, ça ne bouge pas. Dual rate ici, je suis allé modifier, j'ai simplement rajouté de l'expo à moins 30 pour avoir quelque chose de plus doux. Au départ, quand on est débutant, c'est bien mieux. On peut le faire également sur Betaflight, mais moi, je le mets toujours à un petit 20 ou 30 sur mes radios. Donc, mettez bien sur la FSI6, moins 30 et pas plus 30, si vous voulez quelque chose de doux, sur le canal 1, 2 et 4, bien sûr. Et sinon, throttle curve, j'y ai pas touché. Mix, j'y touche pas. Et bon, j'y touche pas, ça c'est pour les hélicos. Switch assign ici, quand on rentre, vous voyez, on a A, B et D. Alors, le D était sur throttle hold. Et quand on déplace ici, on met sur on. Ça veut dire que si on bouge le switch, le drone décolle d'un seul coup. Donc on va simplement le désactiver. Hop. Et pour ça, on va venir juste en dessous sur throttle hold ici. Je valide. Donc n'hésitez pas à mettre sur off ici. Vous descendez sur value et vous mettez 0%. Voilà. Comme ça, quand vous allez toucher à ça, peu importe que vous soyez engagé ou non, il n'aura aucun effet. Donc pour sauvegarder sur cette radio, pensez qu'il faut maintenir le cancel. Tac, voilà. Et là, on est sauvegardé. Vous voyez, si j'y retourne, tac, on est bien à 0%. Ensuite, je continue de descendre. Donc ça, faudra penser à le faire. Et voilà, on a fait le tour. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc pensez bien à faire ça quand même pour pas avoir de surprise, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit vol vite fait. Et puis après, on va aller faire un tour sur Betaflight. Et juste après, je vous mettrai le vol en extérieur. On va se faire un petit vol tout de suite avec une batterie 1S. On va mettre en route. Donc on va l'alimenter en 1S. Donc j'enquille une batterie. Les petits supports TPU font bien leur travail. Ça maintient bien les batteries. J'ai bien mis le petit cavalier, je torse ça de mes fils comme il faut, et je branche. Vous voyez, une fois torsadé, ici, on peut coincer les fils, et là, ça vient plus toucher les hélices. On va enlever un petit peu de tilt, parce que le dernier vol, j'étais dehors. Alors, on met en route le masque. Alors, quand ça arrive, c'est bindé, je vous ai dit, avec la radio, mais on est aussi sur la bonne fréquence, directement sur le masque. Donc, moi, je l'ai changé ici, puisque j'ai mis en R6, donc je vais faire une recherche. Je clique sur Search, tac, ça lance la recherche automatiquement. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec la caméra. Regardez, hop, voilà ce qu'on voit. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez net. Donc c'est plus net avec la caméra qu'avec mes yeux. Et bien sûr, on va pouvoir changer la luminosité, etc. Donc on va voir comment ça fonctionne, c'est parti. Ah, vous voyez, 4,8 V alors que je suis chargé à fond. Donc ça veut dire qu'il faudra que je règle un petit peu mon VBAT. Allez, c'est parti! Pas de vibration, inopportune. La caméra est assez claire. Alors bien sûr, pas de protection d'hélice, hein, donc faut faire attention. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment fait pour les débutants en intérieur, sauf si vous avez une grande maison. Bon, moi je connais bien ma maison, je suis pas vraiment un débutant, donc je peux me permettre. Mais c'est vrai que sans protection d'hélice à la maison, il faut faire attention. Donc là par contre, ouais, ça réagit plutôt bien. Hop, la radiocommande, franchement, c'est le top par rapport à ce qui était fourni.
Bon, je la compare pas, bien sûr, hein, à une Nirvana ou à une TX-16S, hein, mais c'est plus que clair. Mais par contre, pour débuter et pour commencer, c'est vraiment une radio au top, on le sait. Allez, on va pousser un petit peu. Alors, le maintien d'altitude est bien. Enfin, il n'y a pas de maintien d'altitude. Mais pour maintenir l'altitude, ça va, on a du jeu sur la sur le throttle, parce qu'on est en 1S, bien sûr. Ça passe. Donc je vais pouvoir descendre, comme j'ai vu que mon VBAT était pas forcément bien réglé, je vais pouvoir descendre à 3,30, je pense, parce qu'il me manquait 0,20 à peu près. Ouais, ça se pilote vraiment bien, vous avez vu, j'y vais tout doux, de façon à essayer de voir s'il est stable. Regardez, ça passe tranquillement. Pilote à la pince, hein, bien sûr, vous le savez. Ah ouais, le maintien est vraiment facile. Bah écoutez, 2 minutes 40 pour l'instant, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire 3 minutes, je retesterai ma batterie après pour voir ce que ça donne. Vraiment besoin, moyen de jouer dans un mouchoir de poche. Allez, 3,35, on va se poser. Je rentre en crabe. Yeah. Allez, 3,32, ça ira bien. Il est où mon pad d'atterrissage? Ah, il est là. Donc on se retrouve devant Betaflight, on va simplement alimenter notre drone. Tech. Alors pour le poser droit, avec le fil là qui est en kikinant, vous utilisez un verre, une tasse, peu importe, quelque chose sur lequel vous pouvez mettre le fil à l'intérieur. Et là, il se retrouve tout droit. Il est prêt à voler, vous voyez, il n'y a pas la batterie. Donc on va tout de suite réinitialiser l'axe et calibrer l'accéléromètre. Voilà. Donc récepteur, bien sûr, on a les canaux, donc là c'est ici que vous allez pouvoir régler dans les endpoints avec le subtrim, vous allez pouvoir régler quand vous êtes à fond ici, vous voyez, moi j'ai mis 999 000 à peu près, 2000 quand je suis à fond à droite, et au milieu on tombe bien sur 1500, le pitch on est bien sur 1500 aussi, vous voyez, c'est assez stable quand même, il n'y a pas d'oscillation au milieu. Pour assurer le coup, au cas où on ait une petite oscillation, vous pouvez mettre un ou deux ici, dans les dead bands. Et le throttle, bien sûr, donc là, vous voyez, la plage du throttle doit être entre 1050 et 1900. Donc là, moi, j'ai mis le bas du throttle, ici, tout en bas, à 1022, 1020 à peu près. Et quand je suis à fond, je suis à 2000. Mais le tout, c'est d'être en dessous les 1050, sinon il ne voudra pas armer. Et les deux switches qu'on a, donc bien sûr, le A pour l'armement, et celui-ci, trois positions. Donc ensuite, les modes de vol, voilà, quelque chose d'intéressant. Donc le switch A, bien sûr, armement, on n'a pas de pré-armement ici. Et ce switch-là, moi j'ai réglé de façon à pouvoir avoir le mode angle, donc stabilisé tout en haut. Vous voyez, ça fait bouger les quatre... ça fait bouger les quatre lignes en même temps ici. Donc on va avoir le mode angle tout en haut. Au milieu, on va avoir le mode accro, puisqu'il n'y a pas de mode de sélectionner, et le air mode. Avec le mode accro, j'ai pas mis le air mode pour le mode stabilisé, comme ça quand vous descendez le manche des gaz, les hélices arrêtent de tourner tout simplement. Et si je descends tout en bas, on va avoir non seulement le buzzer, mais on a aussi le flip over after crash avec cette commande. Ça veut dire que si je le cherche, bah, j'active le buzzer, et si jamais je me retourne, bah, pareil, j'active le buzzer, je démarre le quad et je mets une direction pour qu'il puisse se retourner. Même si c'est pas super conseillé avec des hélices comme ça, complètement libres, parce que vous risquez de les abîmer ou de forcer sur les moteurs. Donc voilà mon petit conseil pour le réglage bêta. Un qui sert à l'armement et l'autre qui sert à quatre trucs en même temps.
Ouais, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, il n'y a pas eu de vol à vue. » Allez, vite fait, un petit vol à vue pour voir la pêche qu'il a en 2S. Je reste en stabilisé, j'active. Le voilà, le petit joujou. Alors, petit test de punch avec ce novice 2V2 dans 3, 2, 1. Alors, faut que je fasse attention parce que j'ai pas mis le air mode. Donc, faut que je laisse un filet de gaz. Ah, il se contrôle vraiment super bien. Allez, ça ira. Vous pourrez pas dire qu'on n'a pas fait le test. Tech, est-ce que le turtle mode fonctionne? On va tester tout de suite. Je mets tout en bas avec mon buzzer. J'arme. Ça marche. Allez, c'est parti pour un petit test en extérieur. Avec ce nouveau petit novice, et surtout avec la nouvelle radio. Alors, on va mettre sur 200 milliwatts. Tac. Et je confirme. Bon vol. Alors, il y a un petit peu de vent, mais pas grand chose. Hey, ça se pilote plutôt bien, c'est assez précis avec cette radio. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec la radio d'origine du Novice 2, du premier du nom. Donc le RSSI a tendance à baisser quand même pas mal, on le sait, hein, avec ses petits récepteurs intégrés aux cartes de vol. Vous attendez pas à des distances folles, mais en tout cas là je ne perds pas la réception. Même en passant derrière chez moi, ça va, il réagit bien. En 2S, on a quand même pas mal de pêche. Ah, ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Allez, on va ralentir un petit peu. J'enlève du tilt. Hop. C'est correct, même l'autonomie c'est plutôt pas mal. Oh, cascade! Bam bam bam! Je vérifie quand même. Bon, pas de casse, pas de bobo, c'est reparti. On va finir la batterie. On va y aller tranquillement, on va essayer de ne pas le casser tout de suite. Ce qui pourrait faire plaisir à quelqu'un. Alors, vous voyez, on peut voler tranquillement aussi, tout doux. Je surveille le vent qui me pousse quand même pas mal. Bon, la Cadix EOS 2 V2, c'est un peu mieux que la V1 quand même. Pas de wobble. Non, il réagit bien, hein, franchement.
Bah, si j'avais de la place, franchement, il y a matière à envoyer du gras quand même. Hein. Et décidément, cette radio, ça a beau être qu'une entrée de gamme, c'est vraiment le top par rapport à ce qu'ils fournissaient sur les premiers packs novices, franchement. Aucune comparaison possible. La FSI6, c'est vraiment un grand top pour les débutants. Ouais, ça réagit super bien. J'en suis à combien? Pratiquement 4 minutes de vol. 3,52 aux batteries par cellule. C'est plutôt pas mal. On va pas insister trop. On se fait un dernier petit tour. Généralement, c'est le tour de qu'il fallait pas faire. Tirasmot. Yes. Ah bah franchement, vraiment pas déçu. 4 minutes 30 de vol. On va s'arrêter là. Donc oui, hein, j'ai pas pris le masque. Là, j'ai pris mes lunettes parce que je voulais vous enregistrer le DVR directement. Oh yeah. Donc voilà les amis pour ce petit test du Novice 2 V2, ce petit pack RTF, franchement c'est que du bonheur, voilà, il n'y a pas une énorme amélioration, je vous dis une petite amélioration au niveau de la caméra et surtout ils ont choisi de mettre cette radio commande culte, la FSI6, voilà, encore une fois c'est pas le top des radiocommandes, mais presque si, pour les débutants c'est vraiment bien, on peut faire du simulateur, on a 10 canaux, c'est largement suffisant, comme vous l'avez vu avec 6, on s'en sort aussi. Selon le type de drone, bien sûr, on ne va pas pouvoir activer des GPS et tout le tintouin, mais pour ce genre d'appareil, ça suffit largement. Donc, bah encore une fois, bravo eShine pour ce petit chose. Qu'est-ce que j'aurais aimé changer là-dessus? Bah, peut-être un... Je sais pas, dès qu'on va changer quelque chose, on va augmenter le prix de toute façon, puisque là on est, je crois, en vente flash dans les 120€, c'est carrément plus que correct. Donc oui, on aurait pu vouloir un masque un petit peu mieux, je sais pas. Je sais même pas ce qu'on aurait pu vouloir de mieux, parce que je vous dis, on va encore augmenter le prix. Donc autant laisser de la marge et avoir au moins le strict minimum pour pouvoir se lancer dans la passion. Donc voilà, mon avis, eh ben, il est plutôt bon. Voilà, faites-vous, vous, votre propre avis. Et puis, surtout, pensez que cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un des 3 lots du concours permanent. Donc pensez à me laisser un petit message dans les commentaires en me mettant le lot que vous voulez. Si vous vous souvenez plus ce que c'était, revenez au début de la vidéo. Je vous l'ai déjà dit, vous avez qu'à suivre. Vous avez qu'à suivre. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci encore à tous d'être là, bien sûr, merci encore à tous de me suivre, d'être fidèles au rendez-vous, même si là les rendez-vous ils ont un petit peu changé. Pensez à liker ou partager, ça fait toujours plaisir, ou abonnez-vous et mettez la petite cloche si vous voulez suivre d'autres vidéos, d'autres nouveautés. Puis moi là-dessus, bah, c'est terminé, donc il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao!